Oui, non mais bien sûr, c'est vrai. Moi, je propose ça, après. Non, mais c'est sûr, c'est. Après, je sais pas. Oui, enfin, c'est-à-dire que. Bah, C'est peut-être. Vous voyez. oui, faut le dire. Et puis, sans parler des. Et voilà. Mais bon. Tout dépend, quoi. Tout dépend. Vous. Enfin, on parle de quoi là exactement? Ben si, quand même, faites un effort. Vous savez. Ben non. Mais enfin, moi, c'est plus ou moins un mythe que j'écoute jamais ce qu'on dit. Bon allez, c'est parti, je vous écoute. Parce qu'avant, vous ne m'écoutiez pas. Non. Hein? Non, faut dire que vous disiez pas grand-chose non plus. Bon bah quand même. Pas grand-chose d'intéressant, en fait. Pourquoi vous trimballez ça, exactement? C'est pour mon nouveau projet. Ah, il me tarde de savoir quelle nouvelle ineptie vous a germé dans le caisson cette fois-ci. Vraiment? Mais figurez-vous que oui, finalement. Non, c'est vrai, Non. on peut vous reprocher beaucoup de choses, mais le manque d'imagination n'en fait pas partie. Ouais, c'est toujours nouveau, inattendu. Ah, ça c'est gentil, parce que je m'efforce, Bon, mais. alors, qu'est-ce que vous avez là? J'ai là quelques aliments typiques très appréciés des humains. On a du soda, des biscuits, ça c'est une sorte de sandwich, et là des pommes de terre bizarres. Et on fait quoi avec tout ça? On les observe attentivement. Non mais je déconne, c'est de la bouffe, on déguste, voilà. Ah, on dirait pas, mais vous êtes un sacré petit comique en fait. Bon. Eh ben quoi? Alors? Alors, c'est pas mauvais, voilà. Mais tout juste! Et c'est pour ça que c'est très consommé par là-bas. C'est super. Alors on fait quoi? J'appelle les collègues, on se casse un gueuleton en fin d'après-midi? Mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Grouillez-vous de m'exposer vos débilités et faites gaffe, parce que si c'est pour me proposer une bouffe avec vos échantillons, là. Non, regardez! Comme c'est très consommé, ces machins, là, on pourrait, je sais pas, décider que ça serait genre nocif, vous voyez? Toxique, dangereux, nuisible, ou fatal, ou funeste. Mais ça va, oui. Vous calmez un peu. Et puis quand vous aurez fini d'étaler votre lexique, vous oublierez pas de me préciser ce que vous voulez exactement. On n'est pas à l'abri que j'en ai quelque chose à faire. Commencez par écouter déjà. Je vois pas comment je peux être plus précis. Vous prenez ça, vous le rendez inconsommable sous peine de je ne sais quel effet secondaire, et voilà. Vu comment c'est sucré, votre bazar, là, vous avez déjà les problèmes dedans. Après, là, ça m'a l'air gras comme tout. Alors, Oui, mais ça c'est du soft, c'est de l'effet secondaire de pédale! Moi je parle de boursouflure, de mort instantanée, de très violentes éruptions cutanées. Ah, carrément. Et oui, pas de demi-mesure. Eh non, je pense bien. Pourquoi, enfin, je veux dire, pourquoi vous voulez faire ça? C'est quoi le but? La régulation des populations. Ce serait pas plutôt l'anéantissement des populations? Bon, non, tout de suite. Hein? Bon, en termes, je sais pas. C'est l'expérience aussi, je peux pas tout savoir à l'avance. Bon, alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Tenez-vous Ah, bien. c'est pourri! Non, non, non. Pour une fois, je suis pas contre. Allez, c'est très drôle, hein, super la vanne. Non, non, mais vraiment, je pense que. Bon, alors sans aller jusqu'au truc trop dégueu comme vos furoncles et vos joyeusetés, ça pourrait effectivement permettre de bousculer les habitudes alimentaires, et bah ce serait intéressant, quoi. Ah ouais. Enfin, là, je sais pas si je suis d'accord, moi. Je vous dis que je veux pas de vos boursouflures et compagnie, je serai intraitable là-dessus. Mais non, c'est pas ça. C'est que. Bah, c'était pour déconner, en fait. On va pas faire ça, quand même. Ce serait super con. Parce que c'est quand même vachement bon. Et puis, moi, ce soir, j'amène tout ça, et avec des copains, on se fait un petit casse-dalle. Ah, mais même les pistaches, c'est pour moi, ça me fait plaisir. La 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 la